Salut tout le monde. Donc j'ai décidé de sortir un peu aujourd'hui parce que vraiment je pouvais plus rester chez moi. Et avec le déconfinement, donc on ne peut pas sortir aussi. Donc ouais, donc je vais visiter, je sais même pas si ça filme correctement. Parce à chaque fois que tu crois que tu es sorti de chez toi bien équipé et en fait tu réalises que non, tu as oublié quelque chose. Enfin, est-ce que j'ai mes clés? Donc je suis sur le chantier des salines. Putain, j'espère que je me fais pas piquer ou non, pas un serpent. Putain, et il y a des bruits chelous. Ok, je vous montre pas. Non, et genre sérieusement, il y a vraiment des bruits chelous. Et si je meurs aujourd'hui, rappelez-vous de moi tel que j'étais, tu vois, un mec courageux qui est rentré dans un chantier tout seul, accompagné de personnes parce que tout le monde a peur du virus, avec bonne raison bien sûr. Est-ce que c'est là que je dois aller? Ouh, j'ai envie d'aller visiter ici. Par contre, hey, je vous mens pas, je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est dans ces endroits-là qu'il y a des serpents, des caïmans et tout ça. Si je me fais, mais bon. Là, tout ça, c'est l'aventure, tu vois. Putain, mon gars. J'ai même oublié que je... Ouais, donc... C'est ce moment-là quand tu es tout seul, putain, par contre, c'est magnifique. Mais j'ai peur d'avancer. Putain. Oh là 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 là. Regardez, on va pas aller plus loin. Bref. J'ai peut-être du courage, mais pas juste. J'ai peut-être du courage, mais pas pour aller jusque là-bas. Donc voilà, magnifique, hein, magnifique. D'accord, juste derrière, il y a la plage, magnifique aussi. Très beau, très très beau, mais on va continuer. Et je vais pas vous mentir, en ce moment là je suis en train de marcher et je marche avec confiance, tu vois, mais je sais absolument pas où je suis en train d'aller. Putain, je sais pas si c'est en train de prendre le bon chemin ou quoi, mais wow. Ah ouais, je me rappelle d'ici. Putain, ils m'ont dit qu'il y a un endroit pour aller où tu peux observer, putain. L'un des trucs dont j'ai peur, c'est de marcher et qu'une nid d'abeilles ou guêpe tombe devant moi ou tombe sur moi. Là, putain, je crois même pas que j'aurai l'opportunité de courir. Je crois que c'est juste crise cardiaque tout de suite. Ok, je crois que je suis sur la bonne route, hein. Bonjour, ça va? L'observateur, c'est bien? Oui. Ok, super, merci. Bonjour. Bah ouais, je suis pas tout seul. Tout le monde a besoin de profiter de la nature. Mais je continue quand même. Je sais pas si vous pouvez entendre ces bruits-là. Ces bruits-là, ce sont des crapauds. C'est ce que je suis en train de me dire actuellement pour me calmer. Parce que j'ai pas peur des crapauds. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot ras-le-bol. Je sais même pas si ça se dit toujours, ça, ras-le-bol. Putain, hey, ça fait combien de temps que je suis en train de marcher là, déjà? Une heure? Non, je ne fais pas tout ça.
Et je m'en bats, marcher dans le sable, genre c'est tellement raide. Bonjour, ça va? Putain. Je vais vous dire un truc sur les mecs. Les mecs, il faut toujours qu'on fasse semblant d'être fort devant les autres. Là en ce moment, je suis en train de respirer comme un gros qui essaye de monter les escaliers. Tu vois? C'est parce que c'est pas bon sport. J'ai brûlé tous les cordes de sport plus que les autres cours. Donc comme je disais, un homme, il a toujours besoin de faire semblant d'aller bien, tu vois. Et ça, c'est ce que je viens de faire là. Commencer à grimper des montagnes. Oh, yes. Je suis là. Oh. Je marche ici, je me demande si c'est assez solide pour mon poids. Putain. Oh, je tombe ici. Putain. Je crois que si je tombe ici, c'est crise cardiaque tout de suite aussi. Putain, hey. Comment on va faire pas des nids là? Par contre, vous allez... Attends, je vais filmer ça avec mon téléphone. Passe. Il y a un araignée. Et ça m'a reculé un peu. Parce qu'il y a un araignée. Genre, je sais, il va rien me faire et blablabla. Bla bla. Ah merde, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Mais il y a un araignée. Attends, je vais voir si je peux. Je vais voir si je pourrais faire zoom après. Donc c'est pas que moi j'ai peur des araignées ou quoi que ce soit, hein. Mais on va juste admirer la vue d'ici, hein. Je suis pas un peureux. Et je vous explique un truc, Tony King n'a peur de rien du tout, ok? Mais avoir peur et être méfiant, c'est deux choses différentes, ok? Maintenant, est-ce que j'ai envie d'aller là et prendre quelques photos et être heureux? Ouais. Mais est-ce que j'ai envie de risquer me faire mordre par un araignée? Non. Donc cette petite aventure elle était magnifique, hein. Putain, c'est, et je te mens pas, c'est vraiment 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 beau. C'est non, c'est magnifique. C'est magnifique. J'aime bien. J'aime bien. J'ai peur que ma caméra elle tombe parce qu'elle n'est pas bien accrochée, mais ça, j'aurais dû rentrer. Oh, c'est juste un araignée. Qu'est-ce que l'araignée va me faire? T'avais remarqué comment c'est toujours plus facile de parler de ce que tu pouvais faire quand le moment est déjà passé. Ah. Imagine t'es dans la rue, il y a un braqueur qui vient. Il te dit, ouais, donne-moi tout ton fric, donne-moi ton téléphone, donne-moi tout. Tu lui donnes. Maintenant, le gars, il part. C'est vrai que tu te dis, putain, j'aurais dû rien lui donner. Il était même pas aussi baraqué. Il avait même pas une arme. Je crois que je pouvais. Ouais, je pouvais le battre. Mais le moment est déjà trop tard. Le gars, il a déjà ton argent, il a déjà ton téléphone. Donc, autant fermer sa gueule. Il y a quoi ici? Site naturel protégé. Ben, on y va? Et des fois, je regarde les trucs géographiques là. Je vois, il y a des gens. Ils sont en train de tenir des serpents, des araignées, tranquille. La vie est belle. Maintenant, ben, je vais pas monter. J'ai déjà tenu une araignée. Surprenant, mais oui, j'ai déjà tenu une araignée. Est-ce que j'avais peur? Oui, oui, j'avais très très peur, je vais pas mentir. Mais je l'ai fait, tu vois. Mais ça, c'était un araignée domestique.
tu vois, c'était un pote, il avait un araignée, c'était à lui, c'était un araignée domestique. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez ton pote et il y a son chien, ok? Tu veux pas toucher le chien, mais il y a ton pote qui te dit, ouais, il est gentil, il y a ton pote qui est là, il te dit, ouais, viens toucher, viens, touche, tu vas voir. Maintenant, ton pote, il est là, donc oui, tu vas toucher le chien. Putain, hé. Regarde, l'endroit a l'air magnifique, ok. On dirait une vraie aventure. Mais... moi et ces bruits-là, oulala, moi et ces bruits-là, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait ce bruit. Regarde, non, je suis un black, tout le monde sait les blacks, ils font pas ces délires-là, ok. Un autre jour, je vais boire un petit coup de quelque chose et on va revenir. Mais non, regarde ça, comme par hasard, dès que je sors de là, t'as vu comment les bruits se sont calmés dès que je suis sorti de là? Oh non, pas moi, pas aujourd'hui. Non.